Elles ont répondu présent. Les personnes handicapées à la cérémonie d'ouverture de la Coupe de tennis de table Andy, initiée par la Fédération gabonaise Omnisports Paralympique. Cette discipline qui a fait du Gabon, n'est-ce pas, une fédération paralympique. Donc avec deux médailles d'or à l'extérieur, donc sur le plan africain. Donc nous avons pensé qu'au lieu qu'elle reste en veilleuse, il va falloir la faire revivre pour les prochaines échéances. Ces temps ont également été mis à profit par le président de la dite fédération qui a exhorté les différents acteurs à une prise de conscience. Je demande à tous, à mes compatriotes, donc à mes frères qui sont frappés, n'est-ce pas, de cette mobilité, n'est-ce pas, de ne pas hésiter de participer à cette discipline, d'abord pour notre santé, et puis également pour les compétitions à venir, donc pour l'épanouissement. Une cérémonie de remise de récompense est prévue dans la matinée du samedi 23 septembre prochain en présence des autorités du ministère de la Jeunesse et des Sports.